regain d'optimisme pour le CAC 40 qui bondit de 2,4% ce midi. Les valeurs automobiles très secouées par l'affaire Volkswagen poursuivent leur rattrapage. Peugeot reprend 5,1%, Renault plus 2,9%. Les valeurs du luxe se distinguent à l'image de LVMH ou de Hermès. La progression aussi pour les titres liés aux télécoms, Bouygues, Numericable SFR, Iliad et Orange. Les quatre opérateurs ont déposé un dossier de candidature pour les enchères d'attribution de la bande fréquence 700 MHz. En revanche, c'est la dégringolade pour Neopost ce midi, chute de 22%. En marge de la publication de ses résultats semestriels, le groupe a annoncé une importante réduction de son dividende pour l'exercice en cours et pour les suivants. La Fnac demande donc Darty en mariage. Le groupe dirigé par Alexandre Bompard estime qu'un rapprochement des deux enseignes constitue une opportunité stratégique et financière majeure pour les deux groupes. Ensemble, ils seraient présents sur 7 marchés européens via 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'offre est libellée en titres, une action Fnac pour 39 Darty, ce qui valorise le britannique 101 pence par action sur la base d'un cours de bourse de 53 euros pour la Fnac à la clôture du 29 septembre. Ce midi, le titre Fnac perd 2,3% à Paris. À Londres, Darty bondit de 17%. Fin de ce flash et vous avez rendez-vous à 18h pour la clôture.